Hello tout le monde, c'est Kizou, j'espère que vous allez bien, moi ça va chaud patate. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur God of War 3. On s'était arrêté là dans la dernière fois et Pandore était un peu dans la mouise. Et donc bah là on va tenter en fait de la libérer. J'ai quand même un peu galéré sur la fin dans le dernier épisode, hein. Je sais que vous vous en rappelez je pense. Et puis bah là je vais tenter le tout pour la sauver et pouvoir par la même occasion voir un petit peu si j'arrive à finir avec ça. Bon. Ouais, bah je fais le plus vite possible hein, pendant. Hein. Plus vite que ça, on peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Bon. Et ben voilà. Tac. Elle va s'en sortir ou pas? Là je peux rien faire. Faut que j'attende que le truc il passe. Alors. On va y arriver. Yes. Ben voilà. Ben voilà, c'est bon. Je crois qu'elle est plus ou moins morte. On verra. Alors. Voilà. On va voir si elle est morte. On va jouer à David Hasselhoff dans Alerte à Malibu. Je suis prête. Par ici. Ah bah non. Elle est toujours vivante. C'est reparti. Bon Kiki. Pendant attends un petit peu. Je vais juste prendre des coffres qui servent à rien, mais. Qui peuvent toujours servir, on ne sait jamais. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Merci Kratos. Notre voyage est loin d'être terminé, Pandore. C'est clair. D'ici là, tu ne me remercieras plus. J'en ai peut-être l'air, mais je ne suis plus une enfant. J'ai vu de nombreuses choses terribles. Je n'ai pas peur. Je sais très bien ce qui m'attend. J'ai vu Zeus torturer mon père. Je l'ai vu meurtri à cause de moi. J'aurais dû l'aider, mais j'avais peur. Héphaïstos a agi comme tous les pères le devraient, en protégeant son enfant. Non! Tout est ma faute. Je l'ai abandonné parce que j'avais peur. La peur est semblable aux ténèbres. Dans ces ténèbres, j'ai entendu ce que les dieux disaient de moi. Ils me traitaient de monstre. Les mots ne sont que du vent. Peut-être. Mais j'ai senti de la peur dans leurs propos. La peur d'un guerrier couvert de cendres. La peur de toi. Ouais, ouais. Tandis que la peur des dieux grandissait, la mienne était remplacée par l'espoir. L'espoir est pour les faibles, Pandore. C'est l'espoir qui nous rend forts. C'est grâce à lui que nous sommes ici. C'est avec l'espoir que nous combattons quand tout le reste est perdu. Ok. Eh ben, votre cher Pandore. Voilà où mène l'espoir, fillette. Dédale. Retiens bien cette leçon. Bon, ben maintenant je dois faire quoi? D'accord. Pas pourquoi je la sens pas là. J'en étais sûr. Alors, comme ça, vous avez pu voir l'âme en action. Oh, oh, oh. Et
Eh, c'est cool. Ah, nickel. Oula. Ah, il faut que je change d'arme. Vite fait. Et tiens. J'adore ces mises à mort de ouf. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir droit? Ah bah tiens. Cool. Oh nickel. Putain. Bon. Tiens, crève. Ah, c'est cool ça. Eh, c'est sympa. Franchement, les CS de Némé sont pas mal, mais sans plus. Ouais, commencer à m'énerver là le truc. Tiens. Ah bah. Ah, j'adore cette mise à mort, elle est trop bien. Bon. Putain, ça finit jamais ou quoi? Finit jamais, sérieux. On va peut-être recevoir quelque chose de... qui va nous aider. Ah bah voilà, ça c'est sympa. Comme ça, je vais pouvoir utiliser ma magie de nouveau. Comme ça, remplit toute la barre. C'est tranquille. Bon, c'est bientôt fini ou quoi? J'ai l'impression que jamais ça va finir. Oh, 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 oh. Putain, ça finit jamais, hein, c'est un truc de fou quoi. Ça finit vraiment jamais. Ouais, ça va finir jamais là, putain de merde. Ça va devoir crever, oui. Ouais. Allez, amenez-vous. Je crois que je vais devoir. Je vais devoir faire ça. Eh ben, allez donc. Oh mais t'es sérieux, ça se finit jamais ou quoi? T'es sérieux? Bon alors attendez. Peut-être que si je fais ça... Ah non. Finalement non. Normalement quand je le tue comme ça, il me donne de la vie. Donc voilà, ça c'est fait. Ça va finir au bout d'un moment, quoi. Putain, mais ça s'arrête jamais, quoi. Ça ne s'arrête jamais. C'est bientôt fini ou pas? Ça doit être le dernier normalement. Putain, ça a été relou quoi.
Truc de fou. Jamais vu un truc pareil. Il y a eu tant d'ennemis. Il y a eu au moins 5 minutes de combat, quoi. Bon. Moi, je dois aller là-bas en haut. Et après, tout en haut là-bas. Ok. Essayons voir. Ok. Ah, il y a des dalles. Qui est mort d'ailleurs. Je ne sais pas comment. Mais il a crié et tout. Enfin bref. Je pense que c'est le cube en fait qui l'a un peu écrasé, malmené dans tous les sens. Voyons voir. Ah bah c'est bon, Pandora elle a pu sortir, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ok. Moi je peux avancer ou pas? Ouais, je peux. Ok, donc elle continue son chemin sans moi, elle est sérieuse. D'accord. Bon. On verra bien. La chaîne, Kratos. Mon père m'a dit une fois que c'est ce qui maintient l'équilibre des pouvoirs dans l'Olympe. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Brise la chaîne pour élever le labyrinthe. Attends-moi ici. Ah, je crois qu'on va faire un petit retour aux enfers. Ah non. Ah si. Petit retour aux enfers, les amis. Oula. Putain, je me suis ramassé de... Merde. Merde. Putain, je me trompe toujours de... De bouton quoi. Là, parfois ça fait du bien de se tromper de bouton, mais d'autres fois. Oula purée. Ouh, c'est super beau, mais qu'est-ce que c'est dangereux. Il fait chaud les amis. Yeah. Oh yeah. Ah, j'assure. J'assure pas. Je vais crever. Je vais mourir. Ah bah c'est bon. Tac, tac, hop. Oula, j'ai cru que ça passait. Oui, aïe. En fait, quand je vais arriver en bas, j'aurai plus de vie, quoi. Ça, le truc. Tendu, hein. Ouf. Ouf. Putain, ça finit jamais, hein. Ce truc de malade. Il va faire quoi une fois en bas? Il va faire comment pour passer la... Ah bah oui. Il me semble que qu'ils sont tenus et puis il y a les 16 de mémé après, je sais pas quoi. Oula. Ah bah ça va, je suis arrivé en bas avec avec toute la vie. Nickel. Un de moins. Allez putain, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Hop. Et une tête en moins. Merde, ça n'a pas marché. Ah bah, pourtant j'avais appuyé sur le bouton quoi. J'en sais rien. Voilà, là ça a marché. Super.
Eh ben, dis donc. Eh ben, voilà. Merde. Yeah, nickel. Allez, je peux le faire. Merde. Allez, allez, tu peux le faire, Kratos. Tu peux le faire, mon pote. Super. Moi, j'aimerais bien voir s'il y a une mise à mort. Oh, waouh! Oh, c'était magique. Bon. Et ben voilà. Voyons voir. Voilà. Bon. Et maintenant, il faut que je mixe ce machin-là. Merde. Bon, bah, j'y retourne. Il doit bien y avoir un moyen, mis à part faire comme je fais. Non, non, c'est pas normal. Il doit y avoir quelque chose pour pouvoir une magnifique statue de bronze représentant une jeune fille. Ok. Il doit y avoir quelque chose pour pouvoir pouvoir bloquer ce crochet, enfin j'en sais rien. Faut que je le trouve. Je trouve ça. Ok. Il doit y avoir quelque chose, mais comment faire? Comment faire pour bloquer ce truc? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il n'y a rien. Parce que, en fait, chaque fois que je touche à ça. Ouais. Bon. On va trouver un moyen. Ce qu'on va faire, c'est que. On va aller par la Stargate, là. J'appelle ça la Stargate. Et on va voir. Ah bah, attendez, bah voilà. Ça, je peux le casser maintenant. Il l'a lâché. Cool. J'ai trouvé le moyen. Bah voilà. Ah bah voyez. Hein. Vous pouviez pas venir avant. Bien. Saloperie. Là. Tiens, mange ça. Toi, va voir Aya si j'y suis. Bah voilà. Ok, bah j'ai compris alors. Et voilà mes petits coffres que j'avais oublié la dernière fois. J'avais oublié des petits coffres ici. Ça, j'avais déjà lu dans un des épisodes, donc je vais pas vous le relire. Et puis, maintenant, voilà. Nickel. Super. En fait, il me manque plus que l'autre, en fait. Qui doit être de l'autre côté. Il va crever ou bien? Allez putain! Alors les banques. C'est hard. Voyons voir. Nickel. J'ai pu
faire ce que j'avais à faire. Et là, il y a un autre coffre. En fait, c'est ça le coffre que mon cher abonné me disait que j'avais oublié. Et ben voilà, maintenant c'est fait. J'ai réussi à le trouver. Même si c'est quelque chose qui, on va dire, ne va pas me servir à grand chose. Alors. Oula! Calmez-vous, les amis. T'es sérieux? Oh, tu veux crever, toi? Bien. Wow, GG. Putain. Ah, c'est tendu hein, quand même. Allez. Un coup de boule à la zinzindinan. Et voilà. Super. Bon. Alors maintenant. Maintenant je comprends mieux pourquoi. Pourquoi la dernière fois je venais ici et je comprenais pas ce que j'avais à faire. Ben maintenant je comprends un peu mieux. Voilà, j'ai trouvé un moyen. Ben voilà, maintenant je vais pouvoir. Je vais pouvoir casser. Casser du monstre. Ah, je peux même pas passer par là. T'es sérieux. Bon, bah tant pis. Hein. On va faire tout le tour. Hop. Donc on va revenir en arrière et normalement je pourrais passer par une Stargate pour pouvoir retourner voir la chaîne du pouvoir. La chaîne qui détruira le monde. J'espère qu'il y aura une superbe cinématique digne de ce nom pour compenser tout ça, tout le travail que je suis en train de fournir. Ben voilà, me revoilà. Alors, ah ok, bon, il n'y a pas besoin. Et voilà, une de moins. Et voilà, c'est fait. Excellent. Belle cinématique. Ça va détruire les trois juges. Excellent. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ah, il y a Pandore. Il est Zeus. Kratos, vite. Et notre cher ami Zeus. Oh non. Bon, bah c'est reparti. Ouais, je veux bien t'aider, mais d'abord il faut que je me sorte. Je me sorte de ce truc de merde. Oula. Les trois sages. Aïe. J'adore ces phases-là, mais franchement, qu'est-ce que c'est tendu de passer entre des cailloux en feu et passer entre des barres de fer, des cailloux normaux, enfin bref. C'est assez dur quand même. Là, ça va, ça a été la plus simple des parties comme ça. C'est super. Et merde. Athéna. Oh. Tout ira bien, Kratos. Ne perds pas de vue ton but, Spartiate.
Souviens-toi pourquoi tu es allé si loin. Prépare-toi, Spartiate. Tu sais ce que tu dois faire. Non. Je vais élever le labyrinthe. Je la ramènerai d'où elle vient. Ok, bon. Moi j'ai cru qu'il allait la tuer en fait. Finalement non. Alors, bon. On aurait pu utiliser nos petites boîtes H&M là pour pouvoir monter quoi. Enfin j'en sais rien mais bon. Heureusement qu'ils ont coupé parce que dans 300 ans on aurait été encore là. Enfin bon, on va voir. C'est vrai que la dernière fois, Hermès avait réussi à monter tout ça en courant, et puis nous, bah, on est obligé de se coltiner la montée de l'Everest, quoi. À main nue, quoi. C'est super. Qu'est-ce qui se passe encore? Ne me dis pas que ça bug. T'es sérieux, ne me dis pas que ça bug. Ah, quand même. Je me suis dit, ça y est, je vais pas réussir à finir le let's play parce que ça bug. Finalement, non. Finalement, tout va bien. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que je dois monter. J'imagine que je dois monter, donc je vais essayer de monter. On va voir ce qui nous attend en haut. Alors. Voilà. Nickel. On est en train d'ouvrir la flamme, je pense. Il y a Pandore qui va venir pour... J'imagine qu'elle va venir pour chercher la boîte. Alors, en tout cas, ça se termine jamais ou pas? Cool. Franchement, c'est le jeu, il est vraiment bien fait, quoi. Et ben voilà. Ah ouais, ça actionne carrément la chaîne où il y a le labyrinthe quoi. Là, franchement, Kratos a de la force. Oh putain. Ça a du mal à passer en fait. La pauvre. Eh ben, dis donc. Franchement, la cinématique, elle est géniale. Et je pense qu'on commence à arriver gentiment à la fin. Parce que bah, là, on est en train de faire remonter le labyrinthe avec Pandore. On va prendre la boîte de Pandore. Donc, petit à petit, je pense qu'on va se battre contre Zeus. À un moment ou à un autre. Et enfin j'espère, bon après je ne sais pas du tout parce que j'ai jamais vu la fin en fait de God of War 3, donc je sais pas comment ça va se passer, ni même si Kratos survit, enfin bon, à voir. Bon, ah bah voilà. Elle est là. La voilà. Je la vois, Kratos. Dans les ténèbres, les flammes de l'espoir nous libéreront. C'est bizarre, on veut. Pandore ! Non ! Tu sais pourquoi je suis ici ? Tu m'as amené ici pour que je le fasse. Je trouverai un autre moyen. Non, Kratos. Il s'est attaché à la petite. Il n'existe pas d'autre moyen. Laisse-moi y aller. Non, fillette.
Je ne suis pas une enfant. Tu me fais mal. Je pense que ça lui rappelle sa fille, quoi. Kratos, à l'aide. Aïe, à Zeus. Relâche-la, Zeus. Ton obsession pour cette chose devient quelque peu gênante, mon fils. Relâche la fille, Zeus. Ne confonds pas cette créature fabriquée par Héphaïstos avec ta chair et ton sang. Mais c'est peut-être déjà le cas, Spartiate. La quête que tu mènes, ton obstination pathétique à tenter d'expier le meurtre de ta famille, n'a provoqué que le chaos sur l'Olympe. Regarde autour de toi ce que tu as créé. Effectivement, c'est un peu pourri. Je ne vois que ce que je suis venu détruire. Ma plus grande erreur a été d'avoir pitié de toi, Kratos. Tout comme la pitié que tu éprouves pour cette créature sera ta plus grande erreur. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle a au contraire tout à voir avec ça. Merde. Lâche-la. Comme tu le voudras. Merde. Oh là 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 là. Oh les amis. Extraordinaire. Bien. J'adore faire ça. Eh bien, je vous dis à la prochaine. J'espère que j'aurai pas beaucoup de dislikes à cause de ce que je viens de faire. Je vais couper la vidéo ici. Je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode et peut-être la suite et fin de ce Let's Play. Je ne sais pas encore si c'est la suite et fin, on verra bien. Je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Et à tout bientôt. Bye bye.